bonjour, j'espère que vous avez la forme parce que ça va super bien. Ça va même très très bien les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Et un haul avec qui? AliExpress. AliExpress, alors je sais pas si vous connaissez, mais sur AliExpress, qui est un site chinois, on trouve plein de choses. Mais juste avant de vous expliquer tout ça, on met quoi? Le générique. Allez, générique. Abonne-toi. Pour ceux qui ne connaissent pas AliExpress, eh bien, d'ailleurs je suis vraiment sûre que vous êtes très très peu à ne pas le connaître AliExpress quand même. C'est super connu en fait. C'est quoi AliExpress? AliExpress, c'est une plateforme chinoise qui vend plein de choses, de l'électronique, des vêtements, des jouets, des fournitures scolaires. En fait, plein de trucs à des prix super bas et super intéressants. Souvent les frais de port sont offerts. Et en plus, il y a aussi, alors des fois c'est long à arriver, mais franchement, faut être patient parce que ça vaut vraiment le détour. Et maintenant, enfin depuis un petit moment, il y a un système de livraison express. En 10-15 jours, vous êtes livré. Donc c'est vraiment, vraiment rapide hein, pour quelque chose qui vient de Chine. Hein. Ouais. Ouais, c'est rapide. Hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, vous ne le savez pas. C'est une vidéo qui est en partenariat avec eux. En fait, ils ont financé une partie... en fait de cette vidéo, sinon tout le reste c'est moi qui l'ai acheté. Oui. Et en fait ils ont financé une partie du cadeau d'anniversaire de Corentin. Et vous allez voir en fin de vidéo, je garde le meilleur pour la fin, vous allez voir ce que c'est. Alors pour tous les produits qui seront présents en vidéo, eh bien il y aura un lien dans la description. Et puis bah voilà, let's go to the haul. Oui. T'es prêt? Allez. Oui. Alors j'ai pris des trucs, alors pour ceux qui ne savent pas, j'adore acheter chez eux les coques de téléphone. Elles sont trop originales. J'adore acheter quoi aussi? Truc pour mes AirPods là. Les petites housses pour les AirPods. Oui. Et qu'est-ce que je commande aussi? Ce que t'as sur toi par exemple? Ah, les pulls. Les hoodies en fait. Alors, Corentin hoodie sur lui qui vient de chez AliExpress. Mmh. Alors, si je retrouve, je vous mets le lien aussi dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Il était vraiment, vraiment pas cher. Il y en a plein, je crois. Ouais, il y en a plein différents. Il y a... bon, là c'est Naruto, tu montres comme ça. C'est un de Naruto, il est trop beau. Il est super confortable, ça fait un moment qu'il a et franchement il est trop bien, il bouge pas, il sèche super vite. Et moi j'ai pris celui de Jack Skellington parce que moi j'adore bien sûr, vous le savez, tout ce qui a trait à Disney. Disney. Voilà, et Quentin adore les mangas, mais Disney aussi t'aimes bien. Oui, ouais. Les mangas je crois. Donc on commence avec les premiers trucs parce qu'en fait à Noël j'ai eu une Apple Watch. Ah oui, Apple Watch. Et comme je suis fan de coque et que je suis fan de coque et de coque, bah, je suis fan aussi maintenant de bracelet. Oui, voilà. Alors du coup, après la collection de coque, la collection de bracelets. Voilà, donc en fait, il faut savoir que les bracelets de chez Apple, ils sont très très chers. Et en fait, ma montre qui est là, était livrée avec un bracelet blanc. Et je voulais en prendre d'autres, mais je suis allée sur le site d'Apple, ils sont vraiment chers. Et ils sont pas très très originaux et moi j'aime bien l'originalité. Donc je suis allée sur AliExpress et voilà un peu tout ce que j'ai déniché. Donc déjà on va commencer par le plus classique, celui-là. Oui, je suis en train de le démêler. Celui-là, alors ça c'est le plus classique, c'est le rose. Il est rose, il est comme ça. Alors je tiens à vous dire que tous les bracelets qui sont dans la vidéo, je les mets régulièrement. Et je n'ai jamais fait d'allergie et pourtant je suis très 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 sensible, je fais de l'eczéma pour un oui ou pour un non. Et franchement, ils sont de super bonne qualité parce que j'ai, regardez, j'en avais un encore aujourd'hui, je n'ai absolument rien empoigné, ils sont de top qualité. Donc pour le premier, nous avons un rose tout simple, je ne sais pas si vous voyez bien, petit rose tout simple. De toute manière, je vous montrerai au poignet ce que ça donne. Voici le petit bracelet rose, très 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 joli. Qui est vraiment top qualité, je le porte très 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 régulièrement. Ensuite, nous avons le bracelet, on prend lequel? Celui-là. Le bracelet tressé qu'on peut retrouver aussi sur le site d'Apple. Alors celui-là, c'est le plus confortable de tous, alors je vais vous montrer de plus près. Le voici, le voilà, et il est super beau et hyper confortable surtout. Ensuite, on continue avec lequel? Oui. Lui, allez, alors celui-ci est très simple, il n'a pas de boucle, comme ceci là. Il n'a pas de boucle en fait, il est juste d'un élastique, alors je vous montrerai tout de suite, porté au poignet. Voici ce que ça donne porté, vous voyez, il n'a aucun lien, il est vraiment hyper confortable, il est idéal pour le sport et il s'enfile rapidement. Et il est très très costaud, j'adore la couleur, elle est trop trop belle. On continue avec lequel? Avec lui. Lui, allez, alors un de mes préférés, c'est un bracelet avec Mickey.
Alors je le montrais aussi porté, j'adore, franchement il est trop trop beau. Et ça c'est des modèles qu'on peut trouver nulle part ailleurs, hein. Franchement nulle part ailleurs, je vous le dis. Voici le petit bracelet Mickey qui est magnifique, je l'adore. C'est un de mes préférés et je le trouve très très original. Il va très bien avec mes tenues Disney. Franchement, je l'adore. Ensuite, on continue avec un autre Mickey, non ? Oui. On a une deuxième version de Mickey. Alors regardez, par contre, ils sont super simples à enlever. Vraiment comme les originaux. Hop là, hop là, on le met. Alors attends, hop. Voilà, clac. Et là, clac, c'est mis. Voici le deuxième bracelet Mickey qui est plus dans le style BD, noir et blanc, je l'adore. Il est un peu plus bariolé que l'autre, mais il donne un effet tout à fait différent et un peu plus discret, on va dire, que l'autre Mickey. Et celui-là, il va très très bien avec ma montre qui est grise, alu. Ensuite, on continue avec lequel ? Lui. Allez, avec lequel tu dis ? Lui ? Alors, avec le métallique. Alors, c'est celui-ci. Alors, ceux-là, c'est mes préférés, c'est les plus classes. Là, on va le mettre tout de suite. Alors, attendez, il faut que je trouve le sens. Je ne sais jamais quel sens c'est. Comme ça. Voilà. Donc, je vais le mettre. Tac. Tac. Ça se met vraiment super facilement. Et ça, ces bracelets-là, on peut les trouver chez Apple. En coloris différents de ceux-ci. Et franchement, ils coûtent hyper cher. Et là, j'ai eu, pourquoi 6 euros. Et franchement, je les porte tout le temps. Pas d'allergie au métal non plus. La couleur reste. Je vais vous montrer de plus près. Voici le bracelet en métal, il est trop beau. Et celui-ci, il fait partie de mes préférés en fait. Je le mets tout le temps, vraiment tout le temps. Je l'adore, il résiste très très bien à l'eau surtout. Pour l'avant-dernier, je sais pas lequel tu vas choisir. L'avant-dernier. Oui, c'est l'avant-dernier. Tu l'as fait lui ? Non, je l'ai pas fait celui-là. Ah. Alors l'avant-dernier, lequel tu choisis ? Celui-ci, alors celui-là c'est... Alors celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Parce que j'ai peur en fait qu'ils se décrochent, mais ils se décrochent pas en vrai. En fait, c'est deux trucs comme ça, hop, qui sont magnétiques. Et là, bah, il est à l'envers, voilà. Hop, et là, alors attends, parce que... Ah bah oui, c'est inversé, voilà, faut mettre dans le bon sens. Hop là, et quand on tire dessus, voilà, normalement ça se décroche pas. Mais moi j'ai trop peur que, ah là, ça se décroche, mais faut vraiment tirer fort. Je vous montrerai de plus près, mais sinon il est classe, franchement il est trop trop beau. Le voici, il est magnifique, j'adore le bleu, effet cuir un peu. Il est vraiment super beau, mais j'ai vraiment peur. Mais pourtant, il tient. Hein. Mais c'est vrai que je le mets pas souvent. C'est celui que je mets le moins. Mais franchement, il est trop trop beau. Et donc, le préféré de Corentin pour la fin, qui n'est pas forcément mon préféré à moi, mais toi, c'est ton préféré, c'est ça ? Ouais. En fait, c'est encore un métallique comme le rose violet. Et en fait, il a en effet... arc-en-ciel, je sais pas. Il change de couleur. Il est trop beau. Alors moi, je l'adore aussi. Mais c'est vrai que mon préféré, c'est le rose. Et ça, je vais vous montrer de plus près. C'est un métallique aussi, j'adore. Franchement, j'adore parce qu'il est classe. Franchement, il est classe. Et je l'ai mis à l'envers. Là, c'est à l'endroit. Là, c'est à l'envers. Qu'est-ce que tu as mis ? Ah oui. Avec Corentin, il l'a enlevé, forcément. Voilà. Ah oui, ça s'est enlevé. Voilà. Bon, je vais vous montrer tout de suite. C'est un monstre. Le voici, le voilà, et comme vous voyez, regardez, il est irisé, il change de couleur. Il est vraiment très très beau et il se marie très bien avec la couleur de ma montre, franchement. Il est magnifique et il tient super bien à l'eau, si je vais à vaisselle et tout, pris ma douche et tout avec. Aucun souci à ce niveau. Bon ben ça y est, on a fait le tour des bracelets, alors oui. J'en avais vraiment beaucoup acheté. Et puis franchement, si je vais sur leur site, j'ai envie de tout acheter en fait. Ils sont trop beaux, il y a plein de coloris, plein de matières et tout, donc allez voir. Allez voir dans la description, cliquez sur les liens, vous avez d'autres coloris, vous avez d'autres formes, vous avez d'autres matières et tout. Vous avez de quoi vous éclater si vous avez une Apple Watch. Vous pouvez aussi demander, si vous voulez, là moi j'ai pris du SM, mais il y a aussi le ML et puis il y a la taille pour la plus grande parce que moi c'est la plus petite en cadran, mais sinon il y a pour la plus grande. Donc franchement, il y aura tous les goûts. Oui. Tu prends comme ça blanc et tu dessines par-dessus. Oui, tu peux. Après moi j'aime bien, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple mettre le blanc. Ou celui-là, voilà, mixer en fait. Voilà, on peut les mixer comme ça, vous voyez. On peut mettre deux couleurs, enfin c'est sympa. C'est sympa, on peut les mixer, donc c'est cool pour les simples comme ça. Donc on continue avec petit truc que j'ai acheté à qui ? À Océane. À Océane. Alors on l'a pas ouvert encore. Tiens, tu veux l'ouvrir si tu veux. On va pousser ça. Il y aura beaucoup des bracelets. Oh, j'adore trop ce site, franchement. J'aimerais bien travailler chez eux. Pourquoi pas ? Non, bah non, sinon j'achèterais toujours des trucs. Alors,
Petit tapis de souris, parce que ça n'avait pas de tapis de souris. Et c'est un tapis de souris de Ray Geek, pour ceux qui connaissent. De qui? De Geek, c'est un tapis de souris. Ah, de Geek, ouais. C'est qui? C'est Kirby. C'est Kirby, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kirby c'est un personnage de... Ah bah on en parlait tout à l'heure. Et oui, donc on a un jeu, en fait il a eu beaucoup de jeux vidéo de Kirby. Enfin deux. Non, moi c'est moi qui en ai eu beaucoup plus, en fait j'ai joué sur Nintendo et tout. Et en fait Kirby c'est un personnage très vieux. C'est un petit bonhomme rose où il est tout mignon. Bah d'ailleurs il voit la vie en rose, hein, c'est le cas de lui. Le tapis de souris, il est hyper calé. Et en fait dans les jeux, et ben ça joue aussi avec les matières. Par exemple moi j'en ai où ça s'appelle Au fil de l'aventure, il utilise la laine, tu vois. C'est ça. Mais alors du coup, des super pouvoirs. Donc le tapis en fait, il est en revêtement en fait plastique derrière, en caoutchouc. En plus on peut l'étirer et tout. Il est bien bien maniable, il est un tissu bien cousu, franchement, sur piqûre et tout. On l'a pas encore testé, là, on vient de l'ouvrir, mais il a l'air hyper quali. Et j'ai payé ça dans les 4 euros, je crois, un truc comme ça. Vraiment pas cher. Non, mais il marche, c'est sûr. Il est trop bien parce qu'il adhère bien à la table et tout, franchement, il est trop beau. Ouais. Donc, bah voilà, validé le tapis de souris. Ah ouais. Alors, j'en ai acheté un autre, je vous ferai peut-être un truc, un room tour. Le mien? Ouais, mais je l'ai pas encore reçu, mais sur AliExpress aussi, je ferai peut-être un room tour. Ouais, parce qu'il y a plein qui me demandent, et puis comme ça on fera des cadeaux d'anniversaire si tu veux aussi. Ouais, donc voilà pour le tapis de souris. Donc on continue, c'est pour moi. Alors moi j'ai pris des pyjamas. Alors, j'adore Disney. Alors voici mon pyjama. T'as pas dit qu'il y avait marqué en rouge? J'avais pas vu qu'il y avait marqué Dora, mais en fait c'est un pyjama de Noël. Mais je mets, parce qu'en fait il est fin, il est hyper agréable. C'est marqué Happy New Year. Donc bonne année, en retard. Et il est trop beau parce qu'il y a les tom tom dessus. Et ça j'adore, franchement. Il est trop quali parce que là en fait il y a les manches, elles sont bien finies. Et le pantalon, il est trop beau. Si le pantalon en effet un peu patchwork comme ça. En fait ça fait écossais les carrés. Et en fait il est bien fini en bas et il y a même une poche. Bon, il y a un truc fait de bouillie. C'est l'appareil à carte bleue, désolé. Donc il a même une poche. Et franchement j'ai payé vraiment pas cher. Et il est super confortable en fait. Et j'ai pris un deuxième que j'ai pas encore essayé. Mais bon... C'est dans la même boutique. C'est le menu McDo, voilà. En fait, voilà, c'est le même pyjama en version fast food Mickey. Je le trouve trop cool, regardez. Il est vraiment trop cool, j'ai pas encore essayé. Ce serait bien qu'il fasse ça à Disney. C'est pas fini pareil. Parce qu'en fait, là, c'est élastique, pas comme l'autre. Oui. Et le pantalon, j'adore parce que... C'est bien. Parce qu'en fait, quand, admettons, tu remontes tes manches, et bah, des fois, elles retombent. Alors du coup, avec le élastique, et bah, ça te reste bien autour du bras. Et là, du coup... C'est le même pantalon parce qu'on dirait une serviette ou une nappe de restaurant, en fait, c'est sympa. Non? Et lui aussi il a une poche. Il a une poche comme l'autre, voilà. Et franchement je l'ai pas essayé mais il fait la même taille que l'autre. Enfin, non je l'ai pas essayé mais il fait la même taille que l'autre. Donc je vois pas pourquoi il y aurait de soucis. Mais sinon ils sont hyper agréables à porter. Donc voilà. Donc vous allez me dire que c'était l'anniversaire de Corentin. Je vous ai dit, je vous annonçais un cadeau pour l'anniversaire de Corentin. Et en fait il est là mais il sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, je vais vous le montrer. C'est le plus gros cadeau de cette vidéo. Alors pour ceux qui sont restés là, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Donc attention, il est énorme. Il est lourd. Voilà le cadeau de Corentin. Parce que avant la vidéo, j'ai juste fait... Et en fait, c'est un cadeau qui fait exactement 4,5 kg. C'était marqué sur le colis, 4,5 kg. Attends, mais 4 kg, ça fait le poids de mes feuilles de... Mes 300 feuilles de mon casier. Donc voilà, donc c'est un colis qui fait 4 kg. Et je vais essayer de te faire deviner. Alors tu vas essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Bah je sais pas, je pense à des Lego. À des Lego? Bah en fait... Ah il est pas bête. Est-ce que c'est un jeu de construction? Ah ça pourrait. Il y a pas que... En fait... Je sais pas mais... Ah ça peut être un mécano. Mécano ça fait même bruit quand j'ai secoué ma boîte. Alors, avec ma Ferrari avec le carton ça est tout. C'est un jeu de construction c'est sûr. Ouais, bah. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Est-ce que tu sais quel jeu de construction? Soit Lego, soit Mécano. Soit Lego, soit Mécano. Ah ouais. Lequel tu aimerais avoir? Bah, les deux, j'aime bien en vrai. Alors, regarde, assieds-toi qu'on voit bien ta tête parce que franchement, je sens. Tu vas être hyper surpris, tu pourras dire merci à AliExpress. D'accord. D'accord? Allez, c'est parti, je te laisse ouvrir ton cadeau. Tout doucement, et tu vas essayer de deviner ce que c'est. Ah, regarde, tu enlèves cela là. J'ai le droit de voir un tout petit peu du cadeau. Non mais regarde, je scotche là, voilà, comme ça, vraiment, fais-moi mal au doigt. Allez. Alors là, c'est le cadeau que Corentin ne sait pas.
Oh, mais c'est un Lego. Un Lego. Un Lego de 4,5 kg quand même. À ton avis, quel Lego? Le château de Disneyland. Ah, ouais, bah, parce que comment ça, adorer avoir le château de Disneyland. Vas-y, ouais, mais il coûte cher quand même. Ah ouais. C'est pas donné, hein. Mais il est stylé. Ah ouais, il est stylé, ouais. Surtout qu'il y a plein de sous avec. Voilà, je t'ai dit. T'en as un troisième. Pourquoi vous mettez jusqu'à là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'ailleurs, on tient à remercier AliExpress parce que franchement, sans eux, je sais pas si j'aurais pris ça. Aïe. Alors attends. Et d'ailleurs, c'est ça en fait qu'ils nous ont fait AliExpress. Tout le reste, c'est moi qui l'ai acheté, mais ça, c'est AliExpress qui l'a offert. D'accord. Merci AliExpress. Alors, à ton avis, allez. Bon, premier. Alors, à ton avis, en fait, c'est pas la marque Lego. Ce sont des jeux de construction, mais c'est pas Lego parce que en fait, il n'y a pas marqué Lego dessus. Mais par contre, ils sont compatibles Lego. À ton avis, qu'est-ce que c'est ce truc juste énorme? À ton avis. Ah, je suis un petit peu spoil, non? J'ai vu une horloge. À ton avis, horloge? Une horloge romaine. Horloge, la belle et la bête. Bah, regarde de l'autre côté, il est là. Attends, ferme les yeux, je montre au copain. Bah, tu vois. C'est sûr, mais genre, il est dit, je suis. Voilà, vas-y, tu peux prendre. Il est énorme, en tous les cas, comme Lego. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. T'es choquée? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est celui que je regarde en vidéo en plus. C'est le château de Disneyland. Ah mais oui, mais j'avais regardé une vidéo il y a longtemps. Et en fait, il y avait le même château de la même édition, mais c'était pas Lego. En fait, c'est le Lego que Corentin, à chaque fois qu'on va à Disneyland, il nous dit... Est-ce que je peux l'avoir, papa et maman? Est-ce que je peux l'avoir? Bah, tu peux dire merci à qui là? Ah, voilà, merci à AliExpress, mille fois. Hein. Alors, c'est pas le Lego original. Mmh. Ce n'est pas une contrefaçon, je veux dire, le dire, mais ce n'est pas marqué Lego dessus. Attention. Parce que chaque Lego, normalement, dans la marque, est marqué comme ça. C'est un jeu de construction et il est quand même beaucoup moins cher et il est aussi qualitatif. Ouais, parce que je l'ai vu monter. Par contre, il est loin. Alors, par contre, mais il va être hyper loin. Il est aménagé à l'intérieur. Bon, allez, c'est parti. Après le Coco Millennium, le château de Disney. Ça fait beaucoup, beaucoup. Mais la notice, elle est comment? Et voilà la notice. Mais la notice, elle pèse 1 kg. Mais t'as le truc multicolore et tout quand tu regardes la notice. Elle est trop belle, elle brille et tout. Et en fait, c'est un Lego qui fait 74 cm de haut. C'est immense. Il est énorme, même pas dans le cadre. Mais il fait plus d'un mètre. Et il fait 48 cm de large. Et en fait, il a exactement 4190 pièces. C'est-à-dire que Corentin, le Lego qu'il a monté le plus long jusqu'à maintenant, il faisait 1300-1400 pièces. Ok. Celui-là, il en a 4000. Bon, alors, Millennium Falcon, une semaine, 4 semaines. Bon, alors, on et franchement, semaines, on la brochure, elle est trop bien faite. Elle est trop belle. Elle bon, est hyper, il a franchement, elle fait 1 kilo la brochure. Et il y a combien d'étapes? Parce que là, il y a toutes les étapes. On va voir si c'est bien fait. On n'a jamais pris de jeu de construction chez AliExpress, c'est une première. Alors, on y va. Bah, franchement, ça a l'air. Voilà à quoi il va ressembler à la fin. C'est celui que tu voulais. Mais oui, mais c'était celui que j'avais regardé. Mais attends, mais il y a combien d'étapes? Et franchement, le livre, il est trop, trop bien. Attends, ça, c'est pas une étape, ça. Oh, je crois que j'ai vu 630 étapes, un truc comme ça. Aïe. 755 étapes. Ouais. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez, 755 étapes. Je sais plus combien il y en avait. Le gros Millennium Falcon. 200 à peu près. Ouais, voilà. Donc on en a pour un mois et demi à monter le truc. Allez, c'est parti, on commence. Et franchement, la notice, mais elle est trop bien faite, regardez. Franchement, je recommande cette boutique. Hein. Mais carrément. Ouais, grave. Hein. Regardez, c'est pas... C'est franchement... Même elle est toute brillante et tout, il est magnifique. Et là. Ah, mais attends, c'est comme le Faucon Millénaire. Regarde, tu sais pas quand on avait monté la base?
Bah oui, c'est normal, ouais, c'est toujours comme ça. Toujours et pareil. En plus, c'est un 16 ans et plus, donc c'est un Lego d'adulte. Ah, mais déjà, moi j'ai galéré avec un mécano 11 ans et plus. Bon, il est 9 ans, trop, mais... trop beau. Franchement, le livre est trop beau à garder. Hein. Franchement, il est collector. Hein. Il est vachement beau. Oui, donc voilà, bah, c'est la fin de la vidéo. On va pas le monter là. Ah, ça risque d'être long. Ouais. Parce que là, alors, regardez, l'étendue des trucs. Tiens, on va tout mettre sur la table pour voir ça. Voilà. C'est l'attaque des Lego. Je vous ai pris, il y en a encore combien là? Ah non! C'est bien ça! Je sais pas, j'ai vu une horloge, je me suis dit l'horloger de la belle et la bête. Je me suis dit ça, moi. Et là. Voilà. Voilà. C'est juste énorme tout ce qu'on a sur la table. Donc je te propose, moi. Qu'on fasse ce Lego. Oh, ben il y a les persos. Oui, oui. Ah, il y a Mickey, Minnie, etc. Ouais. Ah, c'est trop cool. Oui. Oh, cool. Alors, moi, je te propose que ce Lego, on le fasse dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas 24 heures? Fin de la journée. Je sais pas. Proposez-nous vos idées. J'ai envie de le commencer en vidéo. En fait, là, j'ai envie de le commencer. Ouais, bah, peut-être pas maintenant. Donc voilà, bah, je sais pas, proposez-nous si vous voulez qu'on le commence. Si on fasse à 24 heures, sur plusieurs vidéos, je sais pas, en story, Instagram, je sais pas. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous pouvez en mettre. Et puis voilà. Hein. Il y a trop de trucs. Enfin, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de sachets en fait, on sait plus où aller. Mais il est au numéro 1. Quoi, je sais pas. On verra plus tard. Bon, mais les amis, nous on va vous laisser. On tient encore à remercier, hein. Franchement. Ah, ok, alors là, merci. Hein. Merci à Aliexpress d'avoir participé au cadeau d'anniversaire de Corentin. C'est son rêve depuis, ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'il en veut. Hein. Des gros comme ça. Donc, voilà. Écoutez, les amis, nous on va vous laisser. N'hésitez pas à aller voir le site AliExpress, à aller checker la description pour aller voir un peu tout ce qu'ils peuvent proposer. D'ailleurs pour les montres, etc. Et pyjamas, il y a d'autres coloris et tout, il y a plein de trucs. Et puis en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir tous nos réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne. Allez voir aussi notre Instagram, tout ça je l'ai dit. Et puis si c'est pas déjà fait, je vous l'ai dit, vous abonnez. Je radote en fait. Et si vous avez aimé la vidéo aussi, super important. Un pouce bleu. Et en attendant la prochaine vidéo, on fait des gros bisous, vous dites. Ciao, les amis. Bisous. Ciao.